Salut à tous, ici Linoa. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo du Let's Play de Resident Evil Director Cut en compagnie de Capé. Salut tout le monde. Alors, peux-tu nous raconter où nous sommes arrêtés? Pourquoi moi? Pourquoi? Non, Je je l'ai fait déconne. pour... Je l'ai fait pour la dernière vidéo, donc. J'avoue, chacun son tour. Voilà. Alors, bon, au tout début, ben, nous sommes rentrés, nous avons perdu Chris, hein, on a entendu un coup de feu, on a vu une tache de sang, on a vu le premier zombie qui a tué Kenneth, puis après on a été revoir Barry, puis après on a vu Forrest qui était mort sur le balcon, on a pris un lance-patate, on a fait ceci, on a fait cela, on a voulu aller prendre des symboles pour ouvrir une porte que perso j'ai pas encore été voir, bon, vous l'avez vu sûrement dans celle de Chris. Hein. Et Lina avait déjà été sauvée, enfin entre guillemets sauvée, Richard. Et alors, Lina? Linoa. Tu m'as dit Lina? J'ai dit Linoa. Je te promets, t'as dit Lina. Ouais, si c'est comme la première vidéo de RDC Chris avec Pop, t'es tout seul, ok, bon. C'est le soir, il est 22h30, ne m'en veuillez pas. Donc Linoa, désolé, correction, Grave. avait entre guillemets sauvé Richard, alors que moi j'avais été prendre le symbole de la plante. Donc sur ce, ben, pour ne pas faire trop durer la deuxième partie, faire chacun le truc qu'il fallait, ben on a décidé de le faire la vidéo après. Donc là perso je suis avec Richard. Moi, je l'ai fait crever comme d'hab. Je ne suis pas arrivée assez vite. O2, this house is dangerous. Ah There oui, are putain, terrible demons. Ouch! You're wounded. Il faut pousser les statues. It was a huge snake and also poisonous. Tu as l'écusson là. Richard, tu parles pour hold on. Le blason? Ouais. Ouais, je l'ai. Ok, moi j'ai sauvé Richard. I should have brought some with Là, je me. suis à la salle où il y a plein No d'armures où problem. I'll go and tu sais, get it. tu fais pousser des statues là dans Thanks. les bouches d'aération là, pour pas que tu te manges le gaz dans la gueule. Ouais, bah de toute façon, si tu bouges pas, le truc il part pas avec. Enfin, tu peux pas avoir l'écusson. Et comme par Ouais, j'ai le hasard, deuxième écusson. le deuxième. Ouais? Deuxième écusson. Pas écusson, symbole, pardon. Ah. Me semblait bien. Je me suis dit que deuxième écusson, j'étais là, allé déjà au piano. Elle aurait pris 20 minutes d'avance sur moi. Comment je vais faire? Non, Courir. non. Cours, Jill, rattrape-la. Je vais aller prendre le sérum et faire l'aller-retour directement. Là, je suis qu'à l'aller, c'est déjà pas mal. Par contre, avec la séquence des Hunters, là, je vais. Il est toujours là, lui. Oh, je l'ai explosé avec le bazooka. En ce moment, il est mort. Ah, t'as gardé le bazooka, mon perso, je l'ai rangé. Ouais. Ah, parce que le gun, je le trouve pourri, moi. Oh, c'est toujours bon pour le début, tu sais. Moi, Ouais, aussi. je garde les bonnes armes pour après. C'est préférable. Ouais, contre le boss de fin, surtout. Je descends les escaliers de la mort. Entre guillemets. Par contre, lorsque nous verrons le serpent, j'espère que ça va pas faire le même truc que quand j'étais avec Chris. C'est que le serpent me bloque. Je sais pas si t'as vu. Ah oui, si, oui. Ça Connard fait la même. m'avait Pourtant, ça va te bloqué. faire la même. Ouais, ça m'étonnerait même pas. Serpent de mes couilles là. Donc j'ai pris le sérum. Je vais lui faire boire ça. Peut-être que pour une fois je vais gérer et réussir à sauver Richard. Peut-être une fois de ma vie. Peut-être. Ouais, oh, moi je suis pas arrivée assez vite, c'est chiant. T'as fait directement l'aller-retour ou t'as fait un truc entre-temps?
J'ai fait un truc entre-temps, mais il est mort direct. Ah merde, t'avais fait quoi entre-temps? J'étais allé au coffre poser un truc, j'étais pleine en fait. Ah ouais, c'est con. Ouais, grave, pour 2 secondes de répit. C'est ça quoi. Bah tu vas me dire, moi je vais te dire, le gars il est quand même en train de crever là, donc Ouais, aussi. perso je prendrais pas mon temps pour respirer, quand je me dirais sa vie c'est plus important que mon endurance. Hein. Voilà, c'est vrai. Allez Jill, cours! Va plus vite, putain, t'es des stars ou pas? Vite. Ouf. Allez, run, better run, bitch. Je parle mal avec Jill, je l'insulte. La pauvre. Voilà, habitude. Ah, il est là. Here's the serum. Richard, hold on. I'll give you a shot now. Jill, here's my radio. You should keep it. I'm... No! Richard! Jill, be careful. Il y a un blanc, on ne rend plus personne. Je viens d'assister à un drame. Tu l'as pas sauvé? Ben, je fais, ouais, voilà le sérum et tout, et lui, tout ce qu'il me trouve à dire, bon, Jill, voici ma radio, moi, je vais crever, et Jill, non! Non, Tu peux pas mourir, monsieur. Bon, moi, merci, grâce à toi, j'ai du sérum, petit con. Je m'aime, je suis tellement gentil avec lui. Justement, faut vraiment que j'aille tuer les deux zombies là. Voilà. L'herbe verte. Ouf. Ah, je peux rien prendre. Bon, faudrait que j'aille prendre le briquet en fait. Ah, mais tu l'avais pas pris tout à l'heure? Si, pour la cheminée, mais il faut que j'aille le prendre pour aller prendre une clé, je crois, tu sais, de la salle à côté du serpent. Oui. Oui, exact, oui. T'as été prendre le truc avec la plante? Je parle de la poudre. Bah la poudre chimique tu l'as fait. Non, je suis pas allée encore, justement. Là, j'allais me mettre en route. Et tu faisais quoi pendant ce temps-là en fait? Ben, je suis allée, tu sais, la salle du corbeau, là. Vu que j'avais mon inventaire plein, je suis pas allée le chercher, le symbole de là, je suis allée le chercher. Ah ok. Là, c'est bon, là. Je pensais que tu l'avais pris, moi. Non, non, ça y est, là je l'ai pris, je l'ai mis dans le coffre, là je vais à la salle où il y a la plante. Ok, ça gère. Allez, vas-y, Jill, prends ton temps, descends les escaliers. J'irai me changer juste après, perso. Ça fait déjà quasi 10 minutes. Je reviens pas. Ça va vite. Déjà? Ouais. Mais t'as trop pas l'impression que le temps il passe vite en fait. Ben, j'ai l'impression d'avoir rien fait en 10 minutes là, tu sais. Ouais, moi aussi, grave. Les vrais risques de briquet. Ah voilà. Ah ben, je vais prendre une herbe verte en même temps. Bête. Herbe verte, voilà. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y avait pas de rang à la fin de Resident Evil 1. Tu sais, comme dans les autres. Ah ouais, ça c'est vrai. T'avais que, je crois, le temps et le nombre de sauvegardes. Ouais. J'avais fait 7h45, je crois. Ah,
ça va. Ben, j'ai déjà fait mieux, quoi. Bon, je crois qu'avec Jill, ça ira plus vite. Ouais, c'est plus simple aussi. Ouais, plus simple, entre guillemets. Ouais, aussi. Tu es morte deux fois, elle est déjà presque en danger. C'est ça, quoi. Chris est peut-être moins armé, mais en tout cas, il est surpuissant, quoi. Enfin, sur résistance, un Terminator, ce gars. C'est clair. Gars, il se fait choper par le tyran, il s'en bat les couilles. Je m'étais fait choper par le tyran dans mon combat au final, je crois. Il m'avait repoussé d'une de ses violences et Chris il est tranquille là, tu sais. Ah oui, je t'avais pris une patate par le Tyrannus. J'ai volé à 5 mètres plus loin, mais Chris là il se relève tranquille. Ah, c'était un survivor. Le pire c'est que j'ai regardé ma vie après, j'étais même pas à l'orange, tu sais. Je me suis dit putain, il a dû m'asséner quoi, le tyran. Même pas. C'est clair. Là, avec Jill, tu vas te prendre une patate, à mon avis, t'es déjà morte, quoi. À moitié, ouais, je pense. Je prends le petit coup de griffe, là. Enfin, le petit, entre guillemets. Voilà, donc au bout, je cette armoire. Donc là, je suis au lighter. Enfin... Voilà, c'est allumé. Les trucs ici, là. Ah, des rubans creux. C'est bon ça. Ah, des grenades acides. J'ai fait tout ça pour des grenades acides. Ah, mais va-t'en, ça te chie. Ah, il y a aussi un clip dedans. Chien où? Tu sais, au couloir. Ah, moi je les ai tués un par un. Ah, c'est ce que j'aurais dû faire. Ouais, tu t'en fais sortir un, tu le tues, puis tu en fais sortir un deuxième. Oh, je crois que le trou du serpent il est fermé. Ouais. La porte, ouais, il faut la clé bouclier, il me semble. Et ouais, exact. Moi je sais plus où on la trouve celle-là, du tout. Je sais plus du tout, je crois que c'est au poste de garde, mais je suis pas sûre. Pas la clé armure qu'elle a, non, la clé casque. La clé. C'est la clé casque. Je me suis trompée de côté. Ah, on a... Bon, là, je vais aller faire changer Jill parce que son costume me perturbe. Je vais prendre le costume à la Roberts là, il est nickel celui-là. Ouais, c'est vrai qu'il est classe celui-là. Avec le petit béret. Jill en mode sexy girl. Voilà, donc retour au coffre. Attends, où est-ce que... Qu'il y a le truc d'Horizon 2000, t'es obligé de... Quand tu veux combiner par exemple les rubans creux ou les grenades ou quoi par rapport à ce que tu as dans ton inventaire et ton coffre, t'es obligé de mettre les deux trucs dans ton inventaire et puis après les mélanger alors que normalement, enfin dans les autres, tu pouvais faire sans. Oula! Oula quoi? Je vais me faire reculer, je vais mourir. T'as des souhaits? J'en ai même pas pris sur moi. Et Ah oui, t'es après les chiens là. Oui. Ah oui, là les zombies qui run, je t'ai dit de faire gaffe l'autre temps, l'autre fois. Là. Ah ça, lui, il m'aura pas, il est de l'autre côté, je tire de loin. Ah, c'est bon, il est mort. Y en a un troisième au bout du couloir.
Ah, c'est bon, je l'ai tué. Il est 3. Parfait. J'aime bien le papier peint. C'était ironique, bien sûr. Ouais, c'est super. C'est superbement beau. Ou pas. Aussi. Ah oui, j'avais pas tous les chiens ici, moi. Oh, merde. Voilà. Ce qui est bien, c'est que dans Resident Evil 1, les zombies sont cons et les chiens aussi. C'est à partir de Resident Evil 2 qu'ils deviennent intelligents. Ouais, vite fait. Parce que je sais pas pour toi, mais moi, les chiens, ils tournent en rond des fois ou courant après. Ouais, des fois, ils sont cons aussi. Puis les... Ah bah tiens, je n'ai plus besoin de la clé manoir. Ouais, je disais quoi, moi? Si. Ah oui, l'intelligence artificielle. Dans Resident Evil 2, c'est là qu'ils commencent à bien nous suivre, les zombies, tu sais. Ouais. Headshot? Même pas, allez. Voilà. Oh tiens, un clip. Et voilà, je l'ai eu. Bon, ça, je vais utiliser le passe-partout. Donc, j'ai utilisé des balles de pompe. C'est parfait. Là, je vais me changer. Taillou. Ah, me voilà à la pompe. Enfin. Enfin, à la plante. Et après, pour ramasser toutes les herbes après. Ouh. Ouais, aussi. Voilà, toi t'es mort, tu m'emmerderas pas. Ah, 2 herbes vertes seulement. Qu'après, qu'est-ce que je peux faire? Aller déjà au piano, je crois. Qu'après le piano, il y a le... Ouais, il y a ça. Je peux déjà aussi prendre le rubis et le mettre dans la tête de tigre. Et après, bon, je peux directement accéder dehors, en fait. Sur ces vidéos, je pourrais bien être dehors. Si je me grouille bien. Donc, ouais, il y a... ouais, voilà, je vais changer donc yes. Juste un moment, s'il vous plaît, vous ne pourrez pas voir Jill toute nue. Attendant qu'il voudrait voir un téton carré. Et un minou rectangle. Sérieux. J'imagine qu'elle a quand même aussi un soutif et tout, donc c'est pas le souci. On voit que c'est une cochonne. bref, moi je suis changé et tout. Tranquille, je vais pouvoir repartir à l'aventure tout beau, tout propre. En parlant de Jill, toute belle, toute propre. Je suis trompé de côté, voilà, la statue est-elle là? Ah bah c'est même pas un rubis qu'elle a dans la statuette. Non, c'est un symbole, il me semble. Ouais. Voilà, j'ai le symbole.
Donc en fait, il me reste plus que la moitié du symbole de la lune. Ok. Donc de toute façon, il va me falloir les. J'ai débloqué la porte en fait du piano. De toute façon, il va me falloir l'écusson. Il va falloir que je refasse le tour, tu sais, pour aller à la boîte. Oh, ok. Donc en fait, j'ai fait des trucs que toi tu n'as pas fait et ainsi de suite. Donc on est comme. Oh, mais ça se rattrape. Ouais, donc on est à peu près synchro, donc ça va. Il faudrait qu'à la fin de la vidéo on arrive à voir tous les symboles. Ouais. Moi, Fait. pour l'instant, j'en suis à deux. Normalement Deux symboles. derrière l'horloge c'est une autre clé normalement. Ou le rubis, je sais plus. Me semble que c'est une clé. Ok, on verra ça. Si c'est la clé, on devra aller chez le serpent. Et ça me fait peur. Ce qu'il y a, c'est qu'à mon avis, en fait, je pense que même avant d'aller dehors, je crois qu'on sauvegardera là, je crois. Ouais, carrément. Parce que si on doit crever au serpent, ben, ça signifie recommencer tout, quoi. Voilà, j'ai le symbole de l'étoile, de l'étoile. Parfait. En fait, toi, il te reste rien non plus, quoi. Non. À part le piano. Voilà, c'est là où je vais. T'as déjà pris toutes les plantes de la salle de la plante? Ouais, j'ai fait même deux allers-retours pour avoir les pommes. Bon chat. Voilà, donc j'ai des herbes vertes encore. Voilà, donc je combine ça, puis voilà, j'ouvre. Je redépose et je dois prendre l'emblème, voilà. Quand je crois que les gens qui ont fait Resident Evil ou Craig au couteau, ben, sont des boss, hein. Ben, moi, je sais pas si t'as vu sur mon forum, j'ai un membre de mon forum qui a créé un topic sur le knif clear. C'est-à-dire qu'il a fait RE1 sans arme, mais il l'a fait avec le couteau. Ah, j'ai pas vu ça. Faudra que tu ailles voir. Il a réussi à battre le tyran au couteau. Ouais. Même le tyran en partie 2. Non, mais il a fait qu'une partie en fait. Il a fait qu'une partie, c'est-à-dire. C'est-à-dire, il a joué qu'une fois, quoi. Je veux dire, il a pas fait les deux scénarios. Il a fait avec Jill, il me semble. Ah, ouais, carrément. Mais il a dû éviter plein de zombies, à mon avis. Non, non, même pas, il les a tués. Ben, tu verras, tu regarderas la vidéo, je crois qu'elle dure 1 heure et demie, je crois. Il a fait toujours 1 heure et demie au couteau. Ah Putain. ouais. Non, il est balèze, hein, franchement. Avec les énigmes et tout à côté, t'imagines? En C'est plus, clair. le serpent au couteau, il te faut bien 10 minutes avant qu'il crève au couteau. Hein, je te promets, tu verras. Oh putain. Ouais, quoique ça dépend, ouais, c'est peut-être pas. On croit que le couteau il est peut-être merdique, mais en fait, des fois c'est même plus puissant qu'on ne le croirait. C'est vrai. Dans Resident Evil 4, je crois, c'est le plus puissant contre Krauser, le couteau. Ouf. Ça va, ça? Éclaté la tête. Ouais. J'ai éclaté la tronche.
J'ai fait qu'un seul headshot, moi, je crois, de tout le jeu, là. Ouais, moi, j'enchaîne, je sais pas, j'ai trop de chance, en fait. Là, il doit y avoir une technique, tu vois, mais bon. C'est peut-être moi qui la connais pas. Oh non, y'a pas... Pourtant, je fais rien de particulier. En perso, je vais te prendre des questions d'oreiller. Oh non, la porte se referme. Pourquoi? Misérable vie. Je pose le machin au bois. Oh, c'est tellement beau, ça s'ouvre. Ah, je suis libre. Mon Dieu. Quand je racontais ça à mes potes, ils vont jamais me croire. Oh, Oh là. tu te foutrais pas de la gueule de quelqu'un par hasard? Un peu. J'en étais sûre. Là, il y a le type quand même. Ah, mais moi je vais l'inviter sur Xbox. Pas sur Xbox, sur PS3, y a pas moyen, franchement. Bah, à mon avis, il a dû se faire sans ami directement avec ça. Mais genre, trop taré. Ils auraient dû être là, les gens. Putain, il me le faut en ami ce gars. Oh là là. Je vais lui présenter Diablo X9, qu'est-ce que ça va être? Ah, mais on dirait que c'est son roi, je sais pas, son dieu, j'en sais rien, mais franchement, pour réagir comme ça. Tu es mon dieu. Oh là là, mais ça craint quoi. J'ai jamais vu des gens comme ça, franchement. Les gens qui savent pas de quoi on parle, c'est une vidéo dont on avait parlé déjà dans une vidéo précédente, la partie 1 ou 2, je crois que c'est la 2. La vidéo d'un abonné de Best of War totalement foufou. J'ai mis le lien sur ma page Facebook pour les gens qui sont intéressés. C'est assez drôle à voir, c'est spécial, c'est. Un C'est jour j'ai. exceptionnel. Oui aussi, un jour j'ai un abonné comme ça, je. Fais attention, tu peux tomber sur un fou pareil. Ah non, mais je serais choqué quoi. Bon, ok, bon, ça ferait plaisir, mais. Je Ouais, mais serais quand même. un peu là, du genre. Je vais t'acheter un tabouret et une corde, ce sera de ma part et tu sauras ce qu'il faut en faire quoi. C'est abusé, sans déconner. Oh! Jamais je suis tombée sur des types comme ça pour, je sais pas, pour une personne, franchement. Ah, moi non plus. Enfin, soit, il y a des fous dans le monde, on n'y peut rien. Ah, C'est j'ai clair. trouvé une clé. Oui, une clé. Une clé, une clé. C'est lequel? Le casque, non? Non, je sais pas. Il me dit à chaque fois la clé manoir, tu sais, donc je suis obligé de regarder après le dessin Ah. qu'il y a dessus. Donc vérifier. Vas-y, ça ressemble à quoi ça? Ah, un bouclier. La clé bouclier. Moi, quand j'ai la clé bouclier, je vais déjà aller au serpent. Ah, je suis en retard, moi. Oh là là. Le beaucoup? Non, mais c'est que je peux pas mettre le blason. Je peux pas le mettre parce qu'en fait, je peux pas prendre plutôt le blason doré parce que je suis encore blindé d'objets dans mon inventaire. Oh, ça m'énerve cet inventaire. Ah oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas. On va gérer. De toute façon, par rapport au truc, si t'as débloqué la porte juste à côté, tu fais juste le tour au coffre et ça prend 5 secondes, quoi. Ben. C'est ce que je vais faire. Puis je vais aller à la salle de sauvegarde à côté du serpent, comme ça, bon, je serai déjà avantagé. Je sais pas pourquoi je suis passé dans la salle de sauvegarde à côté du tigre pour prendre le ruban encreur et après repartir pour aller à une autre salle de sauvegarde. Mais t'es parti carrément de l'autre côté. Ah ouais, moi je vais directement de l'autre côté, comme ça prochaine vidéo, ben, on reste plus que le serpent à faire quoi. Ok. Et ça passe vite le temps. Imagine, on a fait 3 vidéos d'une demi-heure, ça fait le temps que. Ça fait 1 heure et demie à peu près. Ouais, ça fait le temps que ton pote a fait pour faire tout le jeu, rien qu'au compte. C'est vrai.
J'ai fait rehors un peu de temps, mais bon. Temps maximum, c'était peut-être 2 heures, quoi. Bon, je courais, quoi. Les zombies, je les tuais même pas. Les hunters, j'avais la chance de malade, tu sais, je les évitais comme un ninja. Ah ouais, là, ça va être bientôt en plus, là, qu'ils vont y être. Oh là là, je les déteste. Je les hais. Qui les aime en attendant? Ouais, personne, je pense. Tu vois? Personne. Évidemment, personne ne les aime. Voilà, tu me dis quand t'as pris l'écusson doré. Ouais. Et n'oublie pas l'écusson en bois. Ah non, je sais. Je crois que c'était moi qui avais fait ça. Ou c'était pop. Ou alors c'était moi qui avais oublié le produit chimique, je sais plus. Enfin, c'était un truc du genre. Je ne retiens pas toutes mes vidéos, hein. Je les étudie pas par cœur. N'ai pas que ça à faire, de toute façon. Imagine le gars, il étudie ses vidéos, tu sais. Ah, 1 seconde 32 de cette vidéo-là, j'ai dit ceci. Ouais, c'est clair. Un peu comme toi avec les dialogues de Resident Evil. Dans cette salle, précisément, elle dit après 3 secondes de chargement. Où est-ce qu'il y a? Où est-ce Chris? Bon, ben, en attendant que tu prennes ton blason et tout, je vais faire la chanson habituelle. Vas-y. Non, c'est pas la corde à sauter Je comme t'en les gens prie. disaient, c'est pas des autres musiques récentes, c'est pas du Nicki Minaj, hein, vous la connaissez la chanson, les gens? C'est biohazardfrance.net. Bon, je connais pas le rythme chanson, mais bon, je vais juste dire les paroles. Visitez biohazardfrance.net, leur page Facebook. Vous serez assez informé de tout. De toutes les nouveautés concernant Resident Evil, que ce soit jeux, comics, films, ou films animés, hein, comme The Generation, simplement. Donc c'est assez bien, je trouve, surtout que tous les jours, il y a quelque chose, ils publient tous les jours des nouvelles, la plus petite à la plus importante, c'est vraiment super. C'est encore plus complet que Capcom France, vous savez, ça m'a choqué, enfin, bref. Ensuite, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne ainsi que celle de Linoa et pas Lina. Likez et commentez la vidéo, vos avis nous feront extrêmement plaisir. Ensuite, je ne sais plus quoi. Donc la page Facebook de c'est fait, les chaînes c'est fait et ah oui, ton forum, le forum, le forum. Allez visiter le forum et la page Facebook de Linoa. C'est vraiment super. Il faut un peu le raviver, hein, parce qu'il n'y a pas trop de d'activité pour l'instant, hein, mais c'est vraiment une belle ambiance, quoi. Enfin, d'un côté, vaut mieux ne pas être trop de personnes, quoi, non plus. Mais l'ambiance est assez bien, il n'y a jamais d'embrouille et tout. Je mettrai le lien dans la description, suffira juste de vous inscrire et vous serez paré pour la grande communauté Resident Evil. Enfin bref, sur ce, je vais utiliser la petite machine là avec un petit papier dessus là. Donc, you can save your progress with this. Will you use the Incrab? Yes. Moi, c'est bon pour moi de mon côté. T'as déjà sauvegardé? Ouais, ça y est. J'en ai profité, hein. Voilà la chanson qui règle tous les retards, tu sais. Ouais, Seulement si c'est moi qui est en retard, c'est ça retarde le truc, tu vois. Donc faut absolument que je sois en avance. Donc G03 Story Room 1F. Donc et bien sûr ce, bah, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. N'hésitez surtout pas à commenter, abonner, liker la vidéo et peut-être même la partager pour faire profiter le plus de monde possible. Sur ce, eh bien, nous, on vous laisse et ciao tout le monde! salut!